Si toi aussi tu recherches les meilleurs combos de skins tryhard avec les skins du pass de combat de cette saison, t'es tombé sur la bonne vidéo. Yo les gars, c'est Penta, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'auras vu au titre de la vidéo, aujourd'hui 15 combos de skins tryhard avec que les skins du pass de combat. Et j'ai fait 3 combos de skins bonus avec des skins qui sont sortis tout récemment. Juste avant qu'on attaque les combos, code Penta, P-E-N-T-A-H, je t'ajoute un ami si tu m'envoies la preuve dans mon Discord. Bref, je vous propose qu'on attaque les combos. Pour le premier combo les refs, on se retrouve avec le skin natif. Donc j'ai sélectionné la variante en tout noir, j'ai pas mis de sac à dos et j'ai mis la pioche peine à neige. J'ai trouvé que c'était un combo qui était assez tryhard et qui coûtait pas cher et qu'il était accessible pour tout le monde. Juste avant que j'attaque le deuxième combo les gars, n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura forcément des combos que tu pourras faire dans la vidéo ou des skins que tu possèdes. Bref, je vous propose qu'on attaque directement avec le deuxième combo de skin qui est le skin Arlo. Donc j'ai sélectionné la deuxième variante qui était un petit peu en jaune et rouge. Si je me trompe pas, avec le sac à dos L fragmenté et la pioche baguette étoilée, c'est exactement les mêmes couleurs. Le skin en plus de ça, il est vraiment tryhard. Moi personnellement, je le trouve incroyable car il est assez fin, il est pas énorme et en plus de ça, c'est un skin du pass de combat. Pour le troisième combo, les refs, on se retrouve avec le skin Chanta. Donc j'ai mis la variante en tout en rouge avec le sac à dos thorax spectral en rouge et la pioche sucre d'orge. Donc comme vous le voyez à l'écran, les gars, ce que j'ai fait pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je suis parti en mode créatif avec les combos pour qu'on puisse voir le dos, la pioche, etc. Donc j'espère que vous kiffez. Quatrième combo, on se retrouve avec le premier skin homme de cette vidéo, c'est le skin Gumbo en vert. Donc c'est le troisième style, si je me trompe pas, avec le sac à dos trèfle et la pioche bois 1. Encore une fois, un combo de skin que je kiffe. Le skin en vrai, je le trouve vraiment drôle. Avec la pioche bois 1, je trouve que ça affine le combo, donc c'est parfait. Cinquième place, on se retrouve avec le skin Spider-Man. Donc j'ai sélectionné la troisième variante qui est en blanc et noir. J'ai pas mis de sac à dos pour éviter de niquer le combo et j'ai mis la petite pioche omnisciente. Encore une fois, un combo de skin qui est assez classique à faire. Je pense que tout le monde qui regarde la vidéo va pouvoir le faire si vous possédez la pioche. Et en plus de ça, c'est encore une fois un skin du pass de combat. Sixième place, on se retrouve avec le skin Ronin. Donc j'ai sélectionné la variante en tout bleu car je suis niveau 200. Du coup, les gars, j'ai les variantes sur tous les skins avec le thorax spectral en bleu du coup et la petite pioche H. Léviathan. Les gars, je sais que beaucoup de gens m'ont dit ouais Penta, apparemment la pioche elle devait ressortir. Les gars, sachez que c'est des rumeurs, j'ai vu ça sur Reddit. Donc apparemment elle aurait dû sortir le 7 ou 8 mars. Bon les gars, on est le 8, j'espère qu'elle sortira ce soir en boutique, mais franchement j'y crois pas trop. Septième position, on se retrouve encore une fois avec le skin Chanta. Donc j'ai sélectionné la variante de base avec le sac à dos trèfle et la pioche baguette étoilée. Donc ce que j'aime bien avec ce combo de skin les gars, c'est que la pioche s'accorde parfaitement avec le skin. Moi je trouve que le trèfle les gars, ça c'est comme vous voulez. Si vous l'avez, vous pouvez le mettre, si vous l'avez pas, soyez patient, il ressort dans 10 jours dans la boutique. Donc moi personnellement j'ai kiffé le combo, donc je me suis dit que vous aussi. 8ème place, on se retrouve encore une fois avec le skin Arlove. La variante que j'ai sélectionné pour ce combo, c'est celle qui est en full rouge avec le sac à dos Cactus Jack. Donc c'est le sac à dos du skin Travis Scott et avec la petite pioche sucre d'orge, ou alors tu peux mettre la pioche omnisciente. Après les gars, ça c'est comme vous voulez. Moi personnellement j'ai préféré la sucre d'orge. En plus de ça, le combo moi je trouve qu'il est vraiment tryhard de ouf. Pour un skin du pass de combat, moi je trouve que ça le fait de ouf. 9ème position, on se retrouve avec le skin Chanta. Pour ce combo, j'ai pris la variante qui était en full gold avec le sac à dos jeton doré les gars sur le solo bull que vous voyez. J'ai pas le sac à dos jeton doré car je me suis trompé, mais les gars faut bien mettre le sac à dos jeton doré avec la petite pioche batte de Harley, ça va trop bien ensemble, donc masterclass. 10ème position, si t'es encore à ce stade de la vidéo, mets dans les commentaires je suis la Penta et je mettrai un petit cœur à ton commentaire. Et pour les vrais, il y aura un deuxième hashtag qui sera en fin de vidéo et là carrément les gars je vais vous répondre, donc restez bien jusqu'à la fin. Bref du coup les gars, pour la 10ème position, on se retrouve encore une fois avec le skin Grombo avec les ailes fragmentées et la pioche baguette étoilée. Comme vous voyez à l'écran, c'est exactement les mêmes couleurs. Le combo de skin, encore une fois, il est archi drôle et ça respecte vraiment le thème de la vidéo. 11ème combo de skin, on se retrouve avec le skin Spider-Man en tout bleu avec le thorax spectral en bleu et la hache Léviathan. C'est à peu près le même combo qu'avec le skin Ronin, mais avec le skin de Spider-Man, moi je trouve que ça rend vraiment vraiment mieux. En plus de ça, la pioche elle est tryhard, elle est rare, etc. Moi ce combo les gars, je le kiffe de fou. 12ème position, on se retrouve avec le skin native en tout noir avec la casquette à l'envers, avec le sac à dos pièce du cobra et la pioche griffe cramponneuse, un des meilleurs combos de skin de cette vidéo. Personnellement les gars, je trouve que ce sac à dos il me fait trop penser au sac à dos jeton doré, et avec ce skin bah c'est exactement les mêmes couleurs, la petite pioche griffe cramponneuse qui rentre dans le thème parfaitement les gars. Ce combo c'est vraiment une masterclass. On se retrouve directement les gars à la 13ème position, on commence à rentrer dans les combos de skin bonus. Donc là j'ai cité tous les combos qu'il y avait pour le
le pass de combat. Là maintenant les gars, on attaque directement avec le premier combo bonus qui est le skin Blizzabelle qui est sorti à la période de Noël. Je sais qu'il était gratuit pour tout le monde, donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir que je vous fasse 2-3 combos avec des skins que vous avez tous dans votre casier. Bref, du coup j'ai mis comme sac à dos le bouclier givré et la canne cryogène. Encore une fois pour la pioche, je sais que pas énormément de gens la possèdent, mais si t'as une autre pioche qui rentre dans le thème, bah n'hésite pas à la mettre et ça fera un très beau combo. Directement à la 14ème position les refs, on se retrouve avec le skin Isa Noël, donc le skin qui est sorti à Noël gratuitement. Donc pour la vidéo j'ai mis le sac à dos trèfle, si tu l'as pas encore une fois tu peux en mettre un autre, moi ça me dérange pas. Et tu mets la petite pioche pied de biche, la pioche qui était sortie gratuitement, je sais plus il s'appelait comment le mode de jeu. Mais en tout cas un combo que je kiffe de ouf, j'aurais peut-être pu mettre la pioche sucre d'or, ça aurait été parfait car c'est exactement la même couleur. Mais j'ai fait ce combo récemment donc je me suis dit que ça avait un peu rien, je l'avais déjà présenté etc. Mais en tout cas un combo de skin classique que tout le monde peut faire. Juste avant qu'on attaque le dernier combo de skin les gars, on se retrouve pour le deuxième hashtag les gars. Si t'es encore à ce stade de la vidéo, mets dans les commentaires Penta en tendance. Là les gars, il y a que les vrais qui m'écoutent encore à ce stade de la vidéo, donc je vous fais des cœurs et je viendrai répondre à vos commentaires. Bref du coup les gars, pour le tout dernier combo de skin, c'est un combo bonus qui est vraiment drôle les gars. C'est le skin banane polaire qui était sorti gratuitement à la période de Noël avec le sac à dos aile fragmentée et la petite pioche épée des légendes. Un combo de skin que bah, je trouve vraiment drôle et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. En ce moment je mets des petits combos bonus, donc voilà les gars, j'espère en tout cas que la vidéo sur les skins du pass de combat vous aura plu les gars. C'était Penta, je vous fais des bisous, ciao.